Du nouveau dans l'enquête des attentats du mois de janvier, près d'un an après les faits, interpellation hier d'un couple du nord de la France, Claude Hermant, un homme proche des milieux d'extrême droite, et sa compagne sont soupçonnés d'avoir fourni des armes à Mehdi Coulibaly, le terroriste de Montrouge et de l'hypercachère. Julia Galantia. C'est une figure de l'ultra-droite identitaire lilloise. Claude Hermant, 52 ans, est soupçonné d'être impliqué dans le réseau qui a fourni des armes à Mehdi Coulibaly, l'auteur de l'attaque contre l'hypercacher. L'homme n'est pas un inconnu de la justice. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire fin janvier à Lille dans un dossier distinct de trafic d'armes. Cette fois, il est placé en garde à vue avec sa compagne. Les enquêteurs les interrogent car des armes retrouvées dans l'arsenal d'Amédi Coulibaly avaient transité par une société gérée par la compagne d'Hermant. Les enquêteurs cherchent à savoir quel a été le rôle exact de Claude Hermant dans la fourniture des armes. Sept hommes sont déjà mis en examen, dont 6 en détention provisoire, soupçonnés d'avoir apporté une aide logistique en armes et véhicules à Mehdi Coulibaly. Tous nient avoir eu connaissance de ces projets d'attentat. Ils expliquent avoir agi par appât du gain ou à cause de la peur que leur inspirait Coulibaly, réputé violent. De fait, aucun d'eux n'est mis en examen pour une complicité directe. Les gardes à vue de Claude Hermant et de sa compagne peuvent durer 96 heures.